Le Québec tourne au ralenti alors que des centaines de milliers de travailleurs du secteur public restent en grève. La FIC, d'ailleurs, vient de se joindre au mouvement. Claudie, donc, elle dénonce on dénonce de façon unanime, du point de vue syndical, la lenteur des négociations. Oui, il semble qu'il y ait des avancées sur le plan du salaire, mais sur le plan des conditions de travail, Michel, on est à des années-lumière de s'entendre, du moins, si on se fie à ce que nous rapportent les syndicats. Alors, vous l'avez dit, la Fédération interprofessionnelle de la santé qui a amorcé aujourd'hui une grève de 4 jours. Bon, il y a la loi sur les services essentiels qui s'applique, mais quand même, il y aura des ralentissements dans le milieu de la santé. Il y a une offre qui a été rejetée vendredi de la FIC, une contre-offre qui a été déposée. On est en train d'analyser tout ça. Comme je le disais, ça négocie, ça semble avancer un peu sur le salaire, mais pour les conditions de travail, c'est un peu un dialogue de sourds en ce moment. On peut écouter Julie Bouchard. On continue à négocier tout ce qui est sectoriel, donc nos réelles conditions de travail à nous, que ce soit demander les ratios professionnels-patients, une conciliation travail-famille, vie personnelle, également tout ce qui touche aussi la surcharge de travail. Donc, ces discussions-là se poursuivent depuis là, déjà plusieurs semaines, mais c'est là où la lenteur prend tout l'espace, et c'est ça qui est triste, puisque oui, on est dans une négociation plus intense que ce qu'on a connu dans les dernières semaines, mais on n'est pas encore dans un blitz. Et c'est là où on devrait être à ce moment précis de la négociation. C'était un discours semblable ce matin, Michel, du côté de l'Assemblée nationale, parce qu'il y avait la FSE-CSQ qui était en manifestation ce matin. José Scalabrini parlait des conditions de travail et de la lenteur aux tables de négociation. On peut l'écouter. Les enseignants au Québec disent, quand vous parlez du Front commun, souvent on a l'impression qu'on parle seulement de salaire, mais nos conditions de travail sont très importantes. Et pour les régler, il faut aller à la table en discuter. Présentement, les vraies discussions n'ont pas eu lieu, et c'est pour ça que les enseignants veulent mettre de la pression et dire, il faut qu'on parle des vraies choses à la table. Moi, d'ailleurs, il y a des travailleuses, travailleurs qui ont manifesté devant le site de Northvolt. Oui, à McMasterville, ils étaient quelques centaines de travailleurs. Le message, essentiellement, c'était s'il y a de l'argent pour l'usine à batterie, bien, il devrait avoir de l'argent pour les services publics. Notre collègue Marie-Lise Morvina était là, elle a parlé à quelques travailleurs. Les infirmières, la FAE, tout le monde, il faut que le gouvernement nous entende, enfin. On est dans la rue depuis des jours, puis il se passe rien, ça avance pas, ça piétine. Nous, au Cégep, quelque part, ça fait plusieurs années qu'il y a un décalage de plus en plus important entre ce qu'on a à faire et les revenus qu'on a. Nous, c'est 7 jours sur 7 quand on y pense maintenant, là, quelque part, puis on sent qu'on est de plus en plus décalé. Le revenu n'est pas là. Les élèves n'ont pas de service. On a besoin de les aider. On fait tout ce qu'on peut, mais on n'est pas capable de les aider à la hauteur de ce qu'ils méritent. Alors, il y a une intensification des moyens de pression. Je vous rappelle que toutes les écoles publiques au Québec sont fermées en ce moment. L'objectif, c'est toujours le même, avoir une entente d'ici Noël. Et nous sommes le 11 décembre. Donc, ça commence à aller vite avant Noël. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci, Claudie.